Bienvenue sur cette vidéo vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est tout simplement l'open source. Et j'en parle parce que j'ai vu une vidéo de Usul sur la chaîne Mediapart qui parlait du marxisme, qui disait qu'on était peut-être marxiste puisque toute son idéologie est vraiment devenue un modèle acquis et connu de tous, sans même qu'on sache qu'on définisse même ce que c'est le marxisme. Pour la plupart des gens, ne sauront pas ce que c'est, mais ces éléments de fonction ont tous été assimilés dans le fond. J'ai quand même un petit souci, puisqu'en fait, il présentait un groupe. Ouais, le Parti communiste, voilà. Et je suis toujours un peu sceptique avec tous ces groupes qui parlent en surface. Et je trouve qu'ils agissent un petit peu mal. C'est-à-dire qu'ils ont des bonnes idées. Sincèrement, c'est vraiment très très bien. Mais j'ai toujours un doute sur la portée de leurs actions. C'est-à-dire que je me suis rendu compte depuis très longtemps, et je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que aujourd'hui, on n'est plus vraiment dirigé par des êtres humains. On est dirigé par des machines. C'est pas une histoire de complotiste, Illuminati ou je ne sais quoi. Non, c'est concrètement, si vous prenez, par exemple, on va dire que les banques gèrent le monde, que c'est les banques qui donnent de l'argent et qui en prennent, mais en réalité, les banques, elles ne sont pas gérées par des humains, ce n'est pas des bouts de papier et des classeurs que des gens ouvrent, mettent une signature dedans, referme, donne à des personnes et qui permet d'échanger de l'argent. C'est plus du tout géré comme ça. En réalité, c'est que des serveurs derrière qui gèrent tout ça. C'est des programmes, des sites internet. Et ça, c'est la même chose pour absolument tous les systèmes. Toutes les structures sont gérées par des serveurs, des programmes, des systèmes d'exploitation. Donc en réalité, le cœur du combat, si on va aller vraiment sur le fond, la source, bah c'est les programmes, c'est l'informatique. Et pour avoir vu un reportage qui traitait de la programmation de systèmes qui gèrent les bourses, croyez-moi, c'est vraiment là que se trouve tout le cœur du combat. Enfin, pourrait se trouver, parce qu'il n'y en a pas actuellement, il n'y en a pas, parce que ça généralement tellement de fric que ces systèmes sont extrêmement protégés, extrêmement gardés. Il y a très peu d'informations qui fuitent en dehors d'un petit noyau très dur qui se partage des informations que entre eux. Je pense qu'en réalité, l'open source est ce qui peut renverser la tendance. Pour le moment, l'open source ne se trouve pas confronté à de vrais éléments perturbateurs. C'était le cas avec Microsoft, qui était vraiment un gros détracteur de l'open source il y a quelques années. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Il l'a carrément embrassé. Pour quelle raison? Je ne peux que spéculer. Puis tout le monde peut spéculer, mais on a, je pense, pas vraiment les bonnes raisons. On les a pas. Mais l'open source, pour moi, est le vrai combat moderne du marxisme. C'est-à-dire que rester dans un endroit et discuter dans un petit café, c'est bien. C'est vraiment revigorant. Je pense que c'est vraiment une activité que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment très intéressant. Ça permet de mener des débats, de changer un petit peu ses points de vue, d'échanger des idées aussi. C'est très intéressant. Mais néanmoins, je ne crois pas que ce soit le cœur du problème. Et c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Clairement pas. C'est vraiment en codant. Si on change la manière de consommer et de produire les machines qui nous dirigent, qui façonnent clairement notre façon de consommer, puisque maintenant les applications Facebook et Twitter ont plus d'impact que n'importe quel parti politique et n'importe quel gouvernement, concrètement. C'est bien pour ça que Facebook a été un peu dans la tourmente et que Mark Zuckerberg est passé devant le gouvernement américain, parce que les gars, ils ont eu un peu les chocottes en se disant. Le président qu'on a actuellement, c'est grâce à Facebook. Il n'y a personne d'autre. Aucun des partis avec ses petits flyers et son petit site internet codé à 40 000 balles n'a réussi à faire mieux
que ce que Facebook peut faire. On peut faire des trucs de taré avec juste Facebook. Et renverser des régimes aussi, d'ailleurs. Donc, en réalité, le problème, c'est le fond. C'est pas la forme. La forme est très bien, elle a éprouvé, elle a prouvé son efficacité. Mais le fond, en France, c'est juste catastrophique. Les gens continuent à se dire, oui, moi je suis marxiste et tout. Et puis quand on leur demande, ben, montre-moi où t'habites, qu'est-ce que tu payes, qu'est-ce que tu utilises comme portable, comme smartphone, est-ce que tu utilises un iPhone, est-ce que tu utilises un Android, ou est-ce que tu utilises peut-être une alternative un peu plus open source, parce que Android, à la base, est peut-être open source, mais ça, c'est devenu un gros bordel informatique, et ça a un peu perdu de vue son modèle open source, parce que les capitalistes sont venus avec leurs grosses bottes en disant, bon bah je prends ce système, pas parce que c'est open source, mais parce que c'est gratuit. Donc voir ces gens consommer de manière classique et dire d'un autre côté, moi je suis marxiste, ça me fait toujours un peu plisser les yeux, comme maintenant, là, vous voyez, c'est là, genre... Il y a un truc qui va pas là. Il y a quelque chose qui... Ça joue faux là, ça, il y a une fausse note dans la musique. Voilà, c'est-à-dire que la personne va jouer avec les meilleures intentions, mais va jouer faux. Dommage. Et je dis ça, et à côté, moi j'ai un gros projet open source pour un logiciel 3D qui est à fond capitalisme. Le logiciel que j'utilise qui s'appelle Daz, lui, alors lui, c'est vraiment en mode je t'en fais un soft gratuit. Mais derrière, tous les assets, ou la plupart des assets, font tout coûter pépette, blinde. Et moi, j'ai décidé que j'allais, dans un premier temps, produire mes propres assets parce que j'ai capacité, parce que j'ai compétence. Et à la fin, je me suis dit, mais tiens, mais c'est marrant, j'ai une bibliothèque monstrueuse, j'en fais pas grand-chose. C'est-à-dire, une fois que j'ai créé mes assets, je les garde sur mon PC, j'en fais rien. Pourquoi ne pas créer un projet open source avec, c'est-à-dire les mettre sur une plateforme qui facilite l'échange de données et de compétences. GitHub, alors GitHub c'est pareil, il joue sur deux tableaux, c'est-à-dire l'open source et en même temps le capitalisme, le closed source. Mais néanmoins, c'est une formidable façon de rentrer dans le code et de comprendre les programmes et de comprendre qu'on peut les partager extrêmement facilement, très facilement. Et GitHub joue sur le déploiement en disant aux entreprises, et regardez, il y a plein de gens qui font l'open source, mais pour vous, ça veut surtout dire gratuit. Pour nous, ça veut surtout dire open source et gratuit en second lieu, parce que franchement, je pense que la majorité n'aura aucun souci à payer 1 ou 2 euros pour un programme, si celui-ci respecte leur confidentialité, les respecte de manière générale, ne foutons pas à des prix exorbitants et ensuite en développant un truc qui est correctement développé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir quand même les vidéos du jeu parce qu'elles sont toujours très intéressantes, même si j'ai toujours des choses à redire. C'est franchement les vidéos les plus intéressantes à regarder. Parce que justement, il y a plein de choses à redire. Et si ils suscitent des débats derrière, ce sont alors de très bonnes vidéos. J'ai rien d'autre à dire. Donc, allez voir dans la description tout simplement ma carte de visite qui est astucemanblogspot.fr. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, astucemanblogspot.fr. Dessus, vous allez avoir tous les sites où je suis présent, dont le site GitHub et le projet open source que je gère. Et c'est très difficile à gérer puisqu'il faut faire beaucoup de com, beaucoup de campagnes de publicité. Faut le vendre comme un logiciel, tout ce qui est le plus classique, mais en ayant un fond qui est complètement différent de la manière de procéder actuelle. J'ai rien d'autre à dire. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, favori, et je vous retrouve pour d'autres vidéos.